Bonjour, alors aujourd'hui nous allons revoir la loi du cosinus. Alors dans tous les triangles, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, moins le double de leur produit multiplié par le cosinus de l'angle opposé. Donc, c'est cette formule-ci. Ceci est ce qu'on appelle la loi du cosinus. Alors, on va faire appel à la loi du cosinus pour résoudre un triangle dont on connaît les longueurs de deux côtés et la mesure de l'angle qu'ils forment. Donc, quand on dit l'angle qu'ils forment, fait que par exemple, on a C, B et A. Ou si nous avons les longueurs des trois côtés, donc si nous avions A, B et C. Allons pratiquer. Alors, ici, nous allons résoudre les deux triangles suivants. Et on va arrondir les réponses à l'unité près. Donc, pour commencer, nous avons besoin de trouver T et notre angle R et S. Donc, pour commencer, notre première étape, c'est de venir utiliser notre loi du cosinus. Donc ici, nous allons avoir T au carré égale R au carré plus S au carré moins 2RS cos de T. Donc, on remplace les valeurs des variables. Donc, nous avons 6 au carré plus 10 au carré moins 2 fois 6 fois 10 fois cosinus de 42. Super important de vous souvenir de faire PEDMAS, OK? Alors, quand on continue, on va avoir T au carré égale à 46,82. Nous allons faire la racine carrée des deux côtés. Donc, nous avons que T est égal à 6,84 cm. Donc, T est environ égal à 7 cm. Ensuite, nous allons venir trouver l'angle S. Pour trouver l'angle S, nous allons utiliser la loi du cosinus. Donc, nous avons 6 au carré égale à 10 au carré plus 7 au carré moins 2 fois 10 fois 7 fois cos de S. Donc, nous allons isoler cos de X, ce qui veut dire que nous avons cos de S est égal à 6 au carré moins 10 au carré moins 7 au carré divisé par moins 2 fois 10 fois 7. Donc, nous allons voir que l'angle S est égal à arc cosinus de 0,8098. Donc, l'angle S est égal à environ 36 degrés. Okay? Si votre calculatrice ne vous donne pas cette réponse, assurez-vous que la calculatrice est en degrés. Finalement, pour trouver notre angle R, ben nous avons maintenant l'angle S, donc nous pouvons faire la somme des angles, donc on a 180 moins 42 moins 36, qui nous donne 102 degrés, donc l'angle R est égal à 102 degrés. Donc ici, 102 degrés. Essayons un autre exemple. Ici, nous avons les trois côtés. Donc, ça veut dire que nous allons venir utiliser la loi du cosinus, mais nous allons isoler notre angle. Donc, nous allons trouver l'angle A en premier. Donc, on utilise la loi du cosinus. Alors, on va avoir 55 au carré qui est égal à 25 au carré plus 70 au carré moins 2 fois 25 fois 70 fois cos de A. Si vous n'êtes pas certain comment j'ai eu ça, nous avons fait A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2AB cos de A. Ensuite, nous avons que cos de A est égal à 55 au carré moins 25 au carré moins 70 au carré divisé par moins 2 fois 25 fois 70. Donc, l'angle A va être égal à l'arc cosinus de 0,7
7, 1, 4. 2, 8, 6 environ. Donc, l'angle A va être 44,4. Donc, si on arrondit à l'unité près, on a à peu près 44 degrés pour l'angle A. Maintenant, nous allons trouver l'angle C. Alors, on va faire 70 au carré est égal à 25 au carré plus 55 au carré moins 2 fois 25 fois 55 fois cos de C. On a donc cos de C qui est égal à 70 au carré moins 25 au carré moins 55 au carré divisé par moins 2 fois 25 fois 55. On a donc l'angle C qui est égal à l'arc cosinus de moins 0,4545. Donc, on a l'angle C qui est égal à environ 117 degrés. Donc, nous avons réussi à trouver chaque angle, donc résoudre en faisant pour l'angle B la somme des angles, donc moins 117, moins 44. Donc, l'angle B est égal à 19 degrés environ. Essayons un autre exemple. Ici, on a le triangle ABC, dont l'angle B est de 105, l'angle C est de 7,5 cm et le côté A est de 11,5 cm. Donc, si on vient dessiner le triangle, juste pour avoir une meilleure idée, on a ABC. B est un angle de 105 degrés. Alors, bien sûr, mon triangle n'est pas à l'échelle. J'ai le côté A qui est 11,2 cm et j'ai le côté C qui est 7,5 cm. Donc, un rappel que les côtés sont opposés à l'angle qui ont la même lettre. Donc, on veut venir trouver B et on veut trouver notre angle A et notre angle C. Donc, nous allons utiliser la formule pour la loi du cosinus pour trouver notre B en premier. Fait qu'on a B au carré égale à 7,5 au carré plus 11 au carré moins 2 fois 7,5 fois 11,2 fois cos de 105 degrés. Donc, on a B au carré qui égale à 225,17. N'oubliez pas PEDMAS. Okay, quand vous êtes en train de résoudre dans votre calculatrice, la calculatrice ne le fait pas automatiquement. Maintenant, on fait la racine carrée des deux côtés. J'ai B qui est environ égal à 15,0 cm. Donc, on continue. On a 11,2 au carré qui égale à 7,5 au carré plus 15,0 au carré moins 2 fois 7,5 fois 15,0 cos A. Fait qu'ici, on vient trouver notre angle A. Donc, nous avons que cos A est égal à 11,2 au carré moins 7,5 au carré moins 15,0 au carré divisé par moins 2 fois 7,5 fois 15. On a donc que l'angle A est égal à l'arc cosinus de 0,6925. Donc, l'angle A est environ égal à 46 degrés. Donc, ici, nous avons 15,0 cm. Et ici, nous avons 46 degrés. Alors, finalement, pour l'angle C, nous allons pouvoir faire la somme des angles. Donc, 180 moins 105 moins 46. Donc, l'angle C est égal à environ 29 degrés. Donc, ici, nous avons 29. Alors, ici, nous avons la question suivante. Les poteaux d'un filet de hockey sont distants de 2 mètres. Un joueur tente de marquer un but en tirant la rondelle le long de la glace d'un point situé à 6,5 mètres d'un poteau et à 8,0 mètres de l'autre. À l'intérieur de quel angle faut-il faire le coup pour que la rondelle entre dans le filet? Donc ici, disons que ceci est le filet.
Nous avons la rondelle ici. La distance entre les deux poteaux est de 2,0 mètres. Et nous savons que nous avons 6,5 mètres d'un côté et 8,0 mètres de l'autre côté. Alors, l'angle que nous cherchons est celui-ci. Donc, on peut le nommer A. Si on veut faire comme ABC, on peut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la loi du cosinus. Donc, on a 2,0 au carré qui égale à 6,5 au carré plus 8,0 au carré moins 2 fois 6,5 fois 8,0 cos de A. Okay. On isole cos de A, donc on a cos de A qui égale à 2,0 au carré moins 6,5 au carré moins 8,0 au carré divisé par moins 2 fois 6,5 fois 8,0. Là, nous allons faire pour trouver l'angle A, l'arc cosinus de 0,9832, qui est au juste, n'oubliez jamais, pas de masse, ça c'est une erreur que je vois encore très souvent. Donc, l'angle va être d'environ, pardon, va être 10,53 degrés. Et ici, on dit d'écrire ta réponse au degré près, donc l'angle va être environ 11 degrés. Donc, notre phrase de conclusion, il faut faire le coup à l'intérieur d'un angle de 11 degrés. Essayons un dernier exemple. Alors, le radar d'une tour de contrôle montre un avion A à 15 km de la tour à 30 degrés à l'est du nord et un avion B à 16 km de la tour à 40 degrés à l'est du nord. À leur heure de rapprochement maximale, si les deux avions se trouvent à moins de 2 km l'un de l'autre, le contrôleur doit produire un rapport. Donc ici, on veut représenter le diagramme qui est la tour et les deux avions. Donc, parce qu'on parle de nord-est, on va faire notre compas, donc on a nord-est-sud-ouest. La tour se situe au centre et nous avons ici l'avion A qui est situé à 30 degrés et donc 15 km de la tour. Et ensuite, nous avions l'avion B qui, lui, est à 40 degrés et une distance de 16 km. Donc ici, on va probablement vouloir savoir c'est quoi la distance entre A et B parce que ici, on dit dans la question qu'ils ne peuvent pas se trouver à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Donc, ici, on a notre diagramme, puis on a inscrit les distances et les angles. Fantastique! De la tour, quel est l'angle qui sépare les deux avions? Donc, on doit faire 40 degrés moins 30 degrés, qui égale à 10 degrés. Parce qu'on veut l'angle juste ici. On ne veut pas le 30, on ne veut pas le 40, on veut ce qui nous reste entre. Maintenant, on doit déterminer si le contrôleur doit produire un rapport. Fait qu'on doit déterminer la distance entre les deux avions pour savoir s'ils sont trop proches ou non. Alors, on va venir faire la loi du cosinus. Donc, on va avoir d au carré, on va avoir d parce que c'est notre distance, qui égale à 15 au carré plus 16 au carré moins 2 fois 15 fois 16 fois cosinus de 10 degrés.
Donc, on met le tout dans la calculatrice, fait que n'oubliez pas près de masse, s'il vous plaît. On va avoir d au carré qui égale 8,29. On va faire la racine carrée des deux côtés. Donc, on a d qui est égal à 2,88. Donc, la distance est environ égale à 2,9 km. Donc, 2,9 km, c'est plus grand que 2 km. Donc, le contrôleur n'a pas besoin de produire un rapport car les avions sont à une distance de 2,9 km.